Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons chanter ensemble pour l'entrée des officiants. Nous venons dans ta maison pour t'adorer, Seigneur. Avec la révérence qui se doit à notre Dieu, te dire comment nous sommes heureux d'être dans ta maison. Tu as permis que nous puissions vaquer à nos occupations et nous avons répondu favorablement à ta sainte convocation. Maintenant, nous invoquons ton nom en te disant, Seigneur, par la puissance de ton esprit, que tu puisses régner dans le cœur de tout un chacun et que ce culte que nous t'offrons te puisse être agréable au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonjour à tous, et qu'il est bon de voir tous ces visages rayonnants dans la maison de l'Éternel. Comme dit le psalmiste au psaume 27, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, et je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Chers internautes, chers visiteurs, chers membres d'Evry, c'est le souhait que je vous fais à tous. Habitez dans la maison de l'Éternel. Et en attendant ce retour, soyez donc les bienvenus à Evry, bienvenue et bon sabbat. J'aimerais vous inviter à prendre avec moi le texte de Daniel 9, le verset 3 à 9. Il nous dit « Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu » en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en homme perverti, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes lorsqu'ils ont parlé en ton nom.
à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour des Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près de ceux qui sont loin. À cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Amen. Pardon, Seigneur, pardon. Pour le péché commis envers toi, nous allons chanter ce chant. S'agenouiller pour la prière. Merci. Notre Père, notre Dieu, en ce matin, nous avons répondu, Seigneur, à cette convocation que tu nous as adressée. Ton peuple ici réuni cherche ta face. Ton peuple ici réuni est arrivé, Seigneur, pour t'adorer, te louer. Et t'adorer. Mais avant tout, Seigneur, nous désirons, Seigneur, te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que nous avons été injustes envers toi. Pardon, Seigneur, parce que nous avons abandonné tes commandements et tes lois. Pardon, Seigneur, parce que nos pensées étaient impures. Pardon, Seigneur, parce que nous étions mauvais devant toi, Seigneur, en cette semaine. Et nous aimerions réellement, Seigneur, que tu puisses effacer nos fautes, nos péchés, nos pensées impures, Seigneur. Tu dis, Seigneur, que si notre péché est comme le cambrasie, ils deviendront blancs comme la neige. Seigneur, nous croyons en ta parole, nous croyons en tes promesses, et nous savons, Seigneur, que tu as cette force et cette puissance pour nous libérer du péché. Seigneur, merci de nous libérer, parce que tu dis que lorsque nous te demandons quelque chose, de quoi que nous l'avons, nous le verrons s'accomplir dans nos vies. Alors, merci de nous avoir libérés du péché. Et en ce matin, en tant qu'homme juste devant toi, Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, élever ton nom, montrer, Seigneur, que tu es dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur, en nouveauté de vie avec toi et de permettre, Seigneur, que nous puissions réellement te reconnaître en tant que Dieu créateur et maître de l'univers. Père éternel, nous voulons aussi, Seigneur, que tu aies un regard sur ton peuple, sur ceux qui sont malades,
Nous voulons, Seigneur, que tu puisses les visiter en ce moment. Nous savons que tu es le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Nous savons que tu es le Dieu de la guérison. Nous savons aussi, Seigneur, que tu as tout pouvoir, parce que lorsque tu étais sur terre, Seigneur, tu as donné la vie, la vue aux aveugles. Tu as fait entendre les sourds. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu as cette possibilité. Alors nous venons tout mettre à tes pieds, parce que nous savons que c'est en toi que nous croyons et que c'est toi qui nous donnes la victoire. Père éternel, nous sommes nombreux dans cette église, Seigneur, à être en visite. Et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir être avec tous nos visiteurs, de pouvoir toucher leur cœur, de pouvoir leur permettre réellement de te toucher, Seigneur, à travers ta parole. Et de permettre, Seigneur, que leurs vacances puissent être des vacances de rêve, parce que, Seigneur, ils sont passés, ils t'ont tenu par la main. Bénis-les, Seigneur. Nous te demandons aussi, Seigneur, de prier, nous prions aussi, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui sont en vacances à l'étranger ou ailleurs. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec eux, de les protéger, que tes anges soient autour d'eux. Père éternel, nous te prions aussi, Seigneur, pour notre Église en tout entière, l'Église mondiale. Nous te demandons, Seigneur, que tous les genoux, Seigneur, qui se fléchissent devant toi, que tu puisses répondre à leurs prières. Et si ici, dans cette salle, Seigneur, qu'il y a du monde, Seigneur, qui prie et qui te demande, qu'il y a des supplications, nous te demandons, Seigneur, de répondre favorablement, Seigneur, à ces prières. Parce que tu es le Dieu qui répond à toutes les prières. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, te présenter notre frère David Charliot qui aura à parler en ton nom. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses préparer nos cœurs, que tu puisses ouvrir nos cœurs et que tu puisses asseoir ta parole dans nos cœurs de sorte que nous puissions être réceptifs à tout ce qu'il nous dira. Notre Père, notre Dieu, nous savons que tu es le Dieu de la victoire. Nous attendons ton retour et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons t'adorer, te louer et montrer, Seigneur, que tu es le Dieu créateur et le maître de l'univers. Nous te prions en ce sens, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Service de fidélité. Nous arrivons au moment au temps de remerciements. Je vous lirai le texte Proverbe 3, versets 5 à 10. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Je demanderai au diacre de passer dans les rangs et de recueillir ce que vous avez mis de présent pour notre Seigneur. Comment
Je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout pour remercier notre Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire parce que tu nous as permis d'être dans ta maison en ce jour, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour les dîmes et les offrandes que tu nous as permis d'apporter dans ta maison, pour que ta maison soit fleurie, pour que ta maison soit grand, beau, et que tous se sentent bien dans ta maison, Seigneur. Pour ceux qui ont pu le faire, Seigneur, que tu puisses continuer à les bénir, Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, que tu leur mets encore, tu les rends capables, tu leur mets encore cette espérance que ce n'est pas seulement les dîmes en argent que tu veux, mais que tu veux qu'ils te donnent leur cœur, Seigneur. Et que leur cœur, pour toi, c'est ce qu'il y a de plus important, le prémisse, Seigneur, de leur vie, parce que tu as donné ton Fils à la croix, pour que tous soient sauvés, Seigneur. Sans cela, nous voulons te demander de nous rendre capables d'être fidèles à la grâce que tu nous as offerte par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et que ce sang puisse nous purifier et nous rendre la joie de ton salut. C'est pour cela que nous voulons te dire que la gloire, l'honneur, la puissance t'appartiennent au siècle des siècles, en Jésus-Christ. Amen. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Bien, d'accord. Je m'appelle Laurie et je vais vous raconter l'histoire. À quelques-uns, je l'ai déjà raconté tout à l'heure. Est-ce que vous savez ce que c'est un mendiant? Vas-y, dis-moi. Un mendiant, c'est une personne qui demande. Qui demande quoi? De l'argent. Exactement. Elle demande de l'argent. Et dans mon histoire, il y a un mendiant, donc quelqu'un qui demande de l'argent, et ce mendiant, il est paralysé au niveau des jambes. Ça veut dire quoi? Qu'il est paralysé au niveau des jambes. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il ne peut pas marcher. Exactement. Et ce monsieur ne pouvait pas marcher depuis son enfance. Alors, il était tout le temps assis. Alors, ce monsieur s'était assis, avait demandé à ses amis de l'asseoir près du temple, tous les jours, pour qu'ils puissent mendier un peu d'argent. Pierre et Jean passaient à côté. Pierre et Jean sont des amis de Jésus. Pierre et Jean passaient à côté et lui ont dit à ce mendiant, « Je n'ai ni argent, nous n'avons ni argent ni or. » Est-ce que vous pensez que ce mendiant était content? Il était content? Non. Non. En effet, il n'était pas content parce que lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait de l'argent, mais Pierre... Exactement, il voulait de l'argent. Exactement. Mais qu'est-ce qu'ils avaient pour lui, Pierre et Jean, qui étaient les amis de Jésus? Qu'est-ce qu'ils allaient lui offrir de plus grand que ça? Qu'est-ce qu'ils voulaient lui offrir, d'après vous? Ils allaient le lever. Donc lui offrir la guérison. Il va le faire marcher. Exactement. Ils allaient lui offrir
La guérison. Est-ce que c'est mieux d'être guéri ou d'avoir de l'argent? D'après vous? D'être guéri. Exactement. Donc, il était content et il croyait fermement qu'il allait être guéri. Donc, Pierre et Jean lui ont dit, « Lève-toi et marche dans le nom de Jésus. » Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Qu'est-ce que ce monsieur a fait alors? Qu'est-ce que ce mendiant a fait? Il a marché. Exactement. Il s'est levé et il a marché. Donc toutes les personnes qui passaient à côté et qui avaient l'habitude de voir ce mendiant, le voyant debout, comment ils étaient d'après vous? Ils étaient « off, c'est normal qu'il marche ». Non! Ils étaient étonnés. Ils étaient très, 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 très surpris de le voir marcher. Ils ont demandé, mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Et Pierre et Jean ont pu témoigner et dire que c'est dans le nom de Jésus qu'ils ont pu faire cela. Alors les enfants, tout ça pour vous dire que tout ce que vous faites, que tout cela soit fait pour la gloire de Dieu. Parce que comme ça, vous pourrez rendre témoignage, donc dire aux autres que Jésus vous a permis de faire de bonnes choses et vous a donné aussi la vie éternelle. Merci les enfants. J'ai fini. Tu peux jouer. C'est fini. Vous pouvez aller voir vos parents. Reviennent beaucoup sont la foi, la loi, la prière. Nous avons encore l'occasion d'exprimer des paroles de reconnaissance à Dieu en ce matin. Des paroles de charme pleines bouillonnent dans mon cœur. Tout pour le roi. Nous savons que c'est un combat de foi, une œuvre d'amour. Combat de foi, œuvre d'amour, mais tout pour le roi, tout pour le roi. Je vous invite à vous lever, ce sera le seul chant que nous aurons pour le moment de louange. Et nous allons chanter ensemble les paroles du 486 avec foi et joie, puisque c'est ce que nous apportons à notre Seigneur en ce matin. Thank you.
Je vais vous demander de vous tenir debout pour la lecture du texte du jour qui se trouve dans Luc 11, versets 9 à 10. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Que ces paroles soient imprégnées dans votre cœur. Bonjour à tous. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je salue également la Sono, l'équipe technique, pour leur présence. Je voudrais également saluer l'équipe du diaconat pour leur ministère. Je vous salue tous, petits et grands, pour votre présence en ce matin. Sans oublier nos chers visiteurs qui nous viennent de partout, notamment des Antilles et des îles. Vous savez, Dieu nous a permis de faire un voyage en Polynésie française avec des frères et sœurs. Nous avons été accueillis par des frères et sœurs de la Polynésie et précisément des îles que nous avons visitées. Nous avons reçu un accueil à la hauteur de leur réputation. Et je me suis dit, en ce matin, je voudrais quand même, par quelques diapos, vous transmettre ce qu'on a reçu là-bas. Et je leur ai fait une promesse. Je leur ai dit que je parlerai de vous. Je parlerai de vous quand je serai dans mon église. Je dirai ce que vous avez fait pour nous. Effectivement, je dois vous dire que j'étais à mon retour plus sensible. Ces frères et sœurs m'ont rendu très sensible de par leur attitude, de par leur générosité, leur disponibilité. Et ce matin, j'ai reçu un texto de la part du premier ancien. Il m'a envoyé un texto à 6 heures du matin pour me dire, David, je sais que tu vas prêcher, que tu te bénisses. À mon tour, Jean-Marie, de vouloir m'adresser à toi, parce que je sais qu'en ce moment, il est 23 heures à Tahiti, et certains d'entre vous sont en train de nous regarder. Je voudrais saluer les frères et sœurs de Moria, Waïné, Waïtera, Boa Boa, Mopiti. Je voudrais vous dire notre reconnaissance. Nous avons rencontré chez vous une très grande gentillesse, une très grande disponibilité. À chaque île que nous avons visitée, nous avons eu des colliers de fleurs. Et quand nous partions, nous avons eu des colliers de coquillages. Nous étions 17. Et j'ai fait le calcul, on a eu environ 3 kilos de colliers quand nous repartions. C'est-à-dire, dans le groupe, plus de 50 kilos de colliers. Tout ça pour vous dire, ça n'a pas été une question d'ornement. Ça a été une forme de reconnaissance de la façon où les frères et sœurs nous accueillent. Je voudrais également profiter de cette occasion qui m'est donnée de remercier les pasteurs et les anciens et le comité des églises qui nous ont fait, qui ont tout fait pour faciliter notre séjour. Un grand merci à vous tous. Maranatha, Christ revienne et que Dieu vous bénisse. Je ne voudrais pas oublier Henriette, la première diaconesse, Kenny, l'ancien de Papineau, Jacob, qui a mis toute sa disponibilité pour nous être favorable. Victor également, Jean-Marie, Ina, Jacqueline, Michou, Robinson. Et Robinson, il y a quelque chose de particulier. Robinson, quand nous avons été à Mopiti, je dois vous dire, chers frères et sœurs, ça m'a marqué. Les frères et sœurs de Mopiti
ont entendu le message. Ils ont entendu dire qu'il y a un groupe de 17 personnes qui vont venir. Et ils ont cru qu'il y avait 17 jeunes, un groupe de 17 jeunes. Et quand on est arrivé sur la plage, parce que vous savez, la Polynésie est constituée de 118 îles, et pour les visiter, il faut prendre l'avion à chaque fois. Et nous avons visité plus de 6 îles. Alors chaque fois, il fallait prendre l'avion. Et quand on est arrivé, nous avons atterri sur une île, et il faut prendre le bateau pour aller dans la ville. Et en arrivant sur la plage, on voit un groupe de personnes avec des colliers, en train de nous attendre. Et quand on arrive, ils nous disent, écoutez, laissez là vos valises et venez. Ils se mettent à chanter, à nous accueillir en nous offrant des colliers. Et le soir, on s'est dit, mais on va dormir où? Ils avaient prévu une grande tente sous la plage. Et là, quand on est arrivé, quelques-uns parmi nous, ne sachant comment s'organiser, ont réclamé des matelas. Et vous savez que ces personnes, ils ont pris leur voiture, ils ont été chez eux, ils ont ramené les matelas pour nous. Il y a un enfant qui dit, ah, c'est mon matelas. Et là, on s'est rendu compte que les enfants, ces familles se sont dépouillées pour que nous soyons à l'aise. Chers amis, je vous dis ça, ce n'est pas pour quelque sorte, tout n'est que vanité, mais c'est pour vous faire prendre conscience du partage. Quand on a l'amour de Dieu dans le cœur, comment on peut accueillir nos frères et sœurs. Et j'avais l'impression, quand je parlais avec eux, que je les connaissais depuis longtemps. Et je leur ai dit ceci, votre accueil n'a d'égal que l'amour de Dieu dans votre cœur. Et je voudrais vous dire sincèrement, à tous ceux qui me regardent sur le net, un grand merci. Et je voudrais également vous transmettre les salutations de mon église d'Évry. Que Dieu vous aide et vous bénisse. Et vous avez quelque chose de... Ils ont une particularité, c'est qu'ils prient beaucoup. Et ceci étant, je suis convaincu que beaucoup de prières égale beaucoup de puissance. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai intitulé mon message « La prière en toutes circonstances ». Qu'est-ce que la prière? La prière, sur le plan étymologique, est avant tout une requête dans laquelle sont exprimées des doléances. Elle est destinée à un être supérieur, un patron, un juge ou un dieu qui a le pouvoir de satisfaire les besoins exprimés. Cela sous-entend que celui ou celle qui fait une prière connaît l'être supérieur, son caractère, ses attributs et son tempérament. Lorsque la prière est formulée, chacun se rend compte de son état d'infériorité et place son espérance en celui vers qui ou elle crie. Il est le rémunérateur de bonnes choses ou de mauvaises actions. Il est le sauveur pour les croyants. Cette foi cruciale s'appelle faire preuve de foi. Avant de continuer, j'avais fait une promesse à mes frères et sœurs de la Polynésie. Je leur avais dit que, vous savez, vous m'avez donné beaucoup de colliers. Je vous montre une partie. Je lui ai dit que ça m'a touché tellement. Vous savez ce que je vais faire? Puisque vous l'avez donné, je vais les donner à mes frères et sœurs d'Évry. C'est pourquoi je demande à la première diaconesse de bien vouloir me rejoindre. Je lui remets ses colliers et à la sortie, elle va vous les distribuer. Elle va distribuer peut-être principalement aux mères de famille. Ce n'est pas une question d'honnement, mais c'est un signe d'accueil. Vous savez, ça m'a fait plaisir, je vous dis que j'ai aucun mérite. Ils me l'ont donné, je vous le donne.
Ce matin, j'aimerais vous parler de deux femmes dans la Bible. La première, elle n'avait pas d'enfant, donc elle était stérile. Et la seconde, elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et vous allez voir à travers ces deux histoires que la prière a une place très importante. La prière en toutes circonstances. Dieu répond aux prières. Venez avec moi, si vous voulez bien, dans 1 Samuel 1er. Alors nous lisons ce qui suit à partir du verset 10. Vous connaissez cette histoire, mais pour ceux qui nous visitent, j'aimerais vous la transmettre. Après avoir mangé à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Vous savez, encore un privilège. J'ai eu l'occasion de visiter ce lieu où Élie siégeait, et c'est là on s'imprègne vraiment de cette histoire. Et c'est pourquoi en Israël, ce lieu s'appelle lieu de prière pour les femmes stériles. Le prêtre Élie, il était assis sous son siège, près de la porte. Très affligé, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit un vœu à l'Éternel. Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, si tu interviens en ma faveur, et si tu ne délaisses pas ta servante, si tu me donnes un fils, alors je le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux, sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres parce qu'elle priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient à peine, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Quelle insulte pour une femme en détresse. Anne répondit, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée. Mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix. Chers amis, voilà une femme qui, devant sa détresse, va se trouver dans une situation très difficile. Parce que, contextuellement parlant, si vous voulez, dans l'histoire, à l'époque, il y avait la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Et son mari, qui était là, son mari lui demandait, est-ce que pour toi, je ne suis pas plus important que d'avoir des enfants? Et nous savons que Pénina, qui était la seconde femme, était en train de la narguer. Et elle supportait très mal cela. Et ne voilà-t-il pas que cette femme, très affligée par ses moqueries, demanda, mais que dois-je faire? Que vais-je pouvoir faire?
Et Elkana, son mari, était affecté par cela également. Essayez de comprendre cette situation. Cette femme va se dire, le seul moyen, la seule possibilité que j'ai, c'est de me rendre dans la maison de l'Éternel. Et comme Liliane l'a dit en préambule de sa bienvenue, David dit, j'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et cette femme, elle s'est dit, voilà, je vais me rendre dans le temple. Je vais me rendre à la maison de l'Éternel. Et là, je vais pouvoir le prier. Cette femme prie, elle pleure. Son cœur est attristé. Pourquoi? Parce qu'elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Elle se dit, la seule manière de pouvoir m'en sortir, c'est de faire appel à Dieu. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ma prédication « La prière en toutes circonstances ». Ce qui est paradoxal, c'est que le prêtre qui le voit en train de prier devait pouvoir peut-être l'encourager en disant « C'est bien, continue, Dieu va répondre à ta prière ». Mais comme elle priait intérieurement dans son cœur, Élie pensait qu'elle était ivre. Vous savez comment Élie le parle ? Va cuver ton vin ailleurs. Vous vous rendez compte de cette insolence ? Imaginez cette femme dans cette détresse, prendre ça en plein visage. Va cuver ton vin ailleurs. Tandis qu'elle est très malheureuse. Et regardez comment elle répond. Elle aurait pu s'offusquer. Elle aurait pu se dire, mais tu me prends pour qui? De quel droit tu me parles comme cela? Mais toujours est-il, quand on est animé par l'Esprit de Dieu, quand on est animé par la puissance transcendante, Anne répond, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Ne me juge pas mal. Ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur déborde de chagrin et de douleur. En ce matin, pour vous qui m'écoutez, peut-être certains d'entre vous ont un cœur débordant de chagrin et de douleur. Sachez que Dieu entend vos cris. Dieu voit vos douleurs. Et il est prêt à vous répondre. Et Élie, peut-être ayant été recadré par cette réponse, Élie dit ceci, dans ce cas, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu viens d'adresser. Chers amis, pourquoi j'ai voulu prendre cette histoire? C'est parce que je suis plus que convaincu que bon nombre d'entre nous traversent des moments difficiles. Beaucoup d'entre nous ont des difficultés. Mais sachez que Jésus est la réponse. Dieu est la réponse. La deuxième histoire que je voulais mettre en parallèle se trouve dans Luc 8. Luc 8, à partir du verset 43, mais nous lirons à partir du verset 40 pour nous resituer dans le contexte. À son retour de Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Il s'occupait du déroulement du culte, si vous voulez. Il se jeta aux pieds de Jésus. Il le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée environ de 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez Jairus. Cependant, qu'est-ce qui se passe au verset 43? Au verset 43, il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien
chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Voilà une femme malade depuis plus de 12 ans et qui se demande comment faire, parce que cette femme également a entendu parler de Jésus. Elle avait dépensé tout son argent. Et vous savez qu'à l'époque, les personnes qui avaient droit aux médecins, ce sont des personnes de la haute société, ce sont des personnes qui avaient les moyens. Et c'est pourquoi les charlatans, il y avait beaucoup de charlatans, et ils badinaient les pauvres gens. Et cette femme qui a entendu parler de Jésus se dit intérieurement, parce qu'elle prie intérieurement en elle, poussée par l'Esprit de Dieu, parce que rien ne se fait sans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et poussée par l'Esprit, par le Saint-Esprit, cette femme va se dire en elle-même, si j'arrive à m'approcher de Jésus. Parce que, voyez, si vous voulez, dans Lévitique 15, le verset 25, le sort qui était réservé une femme qui était atteinte de perte de sang. Lévitique 15, verset 25. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours, en dehors de la période de ses règles, ou au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes comme au temps de ses règles. Alors, non seulement cette femme était atteinte de cette maladie, mais socialement parlant, elle était considérée comme une pestiférée. Parce que, de par sa condition, elle ne pouvait pas se trouver en présence d'autres personnes. Donc, elle était exclue de la société. Elle était exclue, non de la société, mais de la communauté. Alors, essayez d'imaginer la situation de cette femme. Et elle se dit en elle-même, si j'arrive à approcher le maître, si j'arrive à approcher Jésus. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Et non seulement sa garde rapprochée, c'est-à-dire que ses disciples autour de lui étaient considérés comme le service d'ordre, en quelque sorte. Et cette femme, poussée par la foi, toujours est-il, poussée par la foi, va s'approcher de Jésus et va toucher ses vêtements. Et aussitôt, l'histoire nous dit, je vous invite à continuer l'histoire avec moi, dans Luc chapitre 8, à partir du verset 43. Mais ce qui est intéressant, j'aimerais mettre un exergue, si vous voulez, ce même récit, mais en prenant ce que nous apporte Marc. Prenons Marc 5. Marc 5, le verset, à partir du verset 24. Il y a un élément qui est important. Marc va donner des précisions que Luc ne rapporte pas. Alors, l'histoire se déroule, bien sûr. Luc ramène l'histoire à partir du verset 24. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie, etc. Verset 29, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta quand elle toucha Jésus. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force est sortie de lui. Et Jésus va poser la question à ses disciples, mais quelqu'un m'a touché. Et Pierre, toujours aussi hardi, va lui dire, mais Seigneur, écoute, sois un sérieux. Il y a toute la foule autour de toi et tu demandes qui c'est qui t'a touché. Jésus insiste et dit, si, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Et Jésus, promenant le regard dans la foule, et la femme se trouvant démasquée, s'approcha. Alors, à partir du verset 32, mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui était arrivé,
s'approcha de Jésus. Et moi, j'aime bien cette partie-là, à partir du verset 33. Elle s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Et lui dit toute la vérité. Avez-vous ce matin envie de dire à Jésus toute la vérité? Le verset 47 de Luc rapporte qu'elle témoigne devant toute l'assemblée. Et au verset 32 de Marc, dernière partie, elle dit à Jésus toute la vérité. Quelle est votre vérité en ce matin? Et j'imagine cette femme dire à Jésus, Seigneur, tu sais, dans ma vie, de tous les jours, j'étais envieuse. J'étais une personne jalouse. J'étais une personne menteuse, médisante. J'étais en quelque sorte, m'entends mal parlant quoi, m'entends hypocrite, égoïste, voleur, adultérien, impatient, faux dans mes relations. Et j'ai compris que tout cela, je devais l'abandonner. Et c'est pourquoi je me suis dit, je vais te dire tout ce qui se passe en moi, tout ce qui se passe dans ma vie. Voilà qui je suis. Une femme délaissée, une femme exclue de la communauté. Et je dois vous dire, chers amis, vous remarquerez que aussitôt, cette femme touche Jésus, il fut guéri. Et l'histoire ne nous dit pas que cette femme fut guérie parce qu'elle avait observé le commandement. L'histoire ne nous dit pas que cette femme a été guérie parce qu'elle a fait telle ou telle chose. Cette femme a été guérie parce qu'elle a cru. Et ce que je veux vous dire en ce matin, je suis plus que convaincu que si vous croyez à travers vos difficultés, peut-être parmi nous, il y en a de ceux qui sont malades, qui ont des difficultés au sein de la famille. Le mari ne travaille pas ou demain l'enfant est en prison ou demain est dans la drogue. Dites tout à Jésus. Oui, dis-lui tout. Et il répondra en temps favorable. Je voudrais, si vous voulez bien, revenir à la première histoire. Quand Élie va dire à Anne, va cuver ton vin ailleurs. Anne va répondre, écoute, je suis très malheureuse. Mon cœur déborde de chagrin et de douleur. Et je pense qu'en ce matin, il y a parmi nous de ceux qui ont leur cœur qui déborde de chagrin et de douleur. Pourquoi? Parce que vous avez un enfant malade. Vous avez un mari qui est atteint de cancer. Vous avez une fille, ne serait-ce qui attend un bébé, qui n'a pas de mari. Vous avez des enfants en chômage. Ou demain, pire encore, vous avez un fils qui est homo. Et vous savez comment faire. Eh bien, comme cette femme, si vous avez un cœur débordant de douleur, débordant de chagrin, je vous invite à aller aux pieds de Jésus et lui dire toute la vérité, rien que la vérité. Chers amis, j'aimerais également vous faire comprendre que Dieu répond aux prières. Quelle que soit la situation où vous vous trouvez, Dieu répond aux prières. Je vais pour exemple, dans 1 Chronique 29, je vous invite à reconsidérer cette situation avec moi. Prière en toutes circonstances. Voilà, il se passe quelque chose dont la Bible nous apporte. Le don du peuple pour la construction du temple. Alors, dans 1 Samuel 29, à partir du verset 6, il nous dit que les responsables des affaires du roi offrir des dons volontaires, des tonnes d'or, etc., etc. 600 tonnes d'or, de bronze, ceux qui possédaient des pierres précieuses,
les confièrent aux responsables et il eut de l'argent en abondance. Le peuple se réjouit des dons volontaires. Et au verset 10, prière en toutes circonstances, David, qu'est-il dit au verset 10 ? David loua l'Éternel devant toute l'assemblée en disant, puisque David, il est dans l'opulence, c'était un homme de guerre, et Dieu lui avait dit, effectivement, tu as une bonne idée de vouloir me construire un temple, mais c'est ton fils qui le construira. Et David va demander à ce qu'on amène d'argent, de l'or, etc., pour la construction du temple. Et il est tellement content parce que cette demande a été comblée. Pardon. Et voilà ce qu'il dit. Loué sois-tu à tout jamais, ô Éternel. Dieu de nos ancêtres, à toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence. À toi la gloire et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. C'est de toi qu'appartient le règne, et tu es le souverain au-dessus de toute tête. Et c'est de toi que viennent la richesse, la gloire. Et tout cela, David loue l'Éternel. Nous voyons, il n'est pas dans la tristesse, il n'est pas dans la douleur, il est dans la joie, je l'ai dit, dans l'opulence. Et il loue l'Éternel pour cela. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir. Il a pris conscience que tout ce que nous donnons, que tout ce que nous amenons, vient de l'Éternel. Et voilà comment il remercie l'Éternel. Prière en toutes circonstances. J'aimerais partager également avec vous, à travers la Bible, dans Néhémie 1, à partir du verset 4. Voilà quelqu'un qui prend connaissance de la situation des Juifs vivant en captivité. Il y a point que la situation est d'une grande misère. Néhémie 1, à partir du verset 3. Il y a des brèches dans la muraille et Jérusalem, ses portes ont été détruites par le feu. Et au verset 4, lorsque Jérémie entendit cela, je m'assis et il se met à pleurer pendant plusieurs jours. Il resta abattu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se mit à jeûner et il prie constamment devant Dieu et il le supplie en disant, « Ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui es fidèle à ton alliance et qui conserve ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui t'obéissent à tes commandements, prête l'oreille à la prière de ton serviteur. » Voilà quelqu'un qui, conscient d'une situation, se met à pleurer, se met à jeûner. Et maintenant, il va faire monter vers Dieu une prière de circonstance. Il reconnaît que à Dieu appartiennent la puissance, la gloire, etc. Et, chers amis, soyez-en sûrs, Dieu a répondu favorablement à la prière de Néhémie. Tout ça pour vous dire, quelle que soit la situation, Dieu répond aux prières. J'en veux pour preuve quelqu'un dans une situation bien, bien différente. Nous allons le trouver dans Jonas. Jonas 2, à partir du verset 2. C'est quand même important de pouvoir se remémorer les prières qui ont été agréées par Dieu. Et nous aussi qui sommes dans cette situation, nous pouvons le prier en toutes circonstances. Voilà un homme qui avait désobéi à Dieu. Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, et il se rebelle et il va à Tarsis. Et non seulement ça, il met en péril la vie des autres. Souvent, à cause de nos désobéissances, nous pouvons mettre en péril la vie de ceux que nous côtoyons. Et je me suis rendu compte, juste une petite parenthèse, que contrairement à ce que nous pensions, si nous ne sommes pas vigilants, quand vous fréquentez des gens qui sont, je l'ai dit entre guillemets, malhonnêtes, eh bien, vous finissez par les rassembler si vous n'êtes pas vigilants. Quelqu'un qui a l'habitude de dérober,
si vous le fréquentez constamment, eh bien, il y a de fortes chances que vous finissiez par dérober. Et cependant, si le cas contraire, vous fréquentez quelqu'un qui est honnête, qui est respectueux des autres, eh bien, quand vous serez en présence de cette personne-là, quand vous chercherez à faire quelque chose de malhonnête, il vous dira, non, arrête, je ne partage pas ce point de vue avec toi. Et là, vous voyez la différence, l'influence qu'on peut y avoir de deux côtés. Alors, Jonas, il va partir, il va désobéir à Dieu, il va prendre le navire et puis il va, vous savez, parce que le péché nous éloigne de Dieu, la transgression de la loi nous éloigne de Dieu. Et pour se donner bonne conscience, il va s'endormir, il va descendre au fond de la cale et puis il va s'endormir. Et le navire menace de sombrer. Effectivement, les matelots nous disent, tout le monde invoque leur Dieu et Jonas y dort. Et finalement, il se réveille parce qu'il y a une prise de conscience. Le subconscient, c'est-à-dire que la conscience qui se regarde, c'est-à-dire que non, ça veut rien dire. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché. Et l'Esprit va parler à Jonas. Il va dire à Jonas, c'est à cause de toi que le bateau menace de sombrer. Et Jonas va prendre conscience qu'il sert un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui est miséricordieux. Et il va dire une vérité, moi j'aime bien cette vérité-là. Regardez avec moi, quand on va lui poser la question, mais pourquoi tu t'enfuis ? Jonas répondit au verset 9, « Je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Et il raconte son histoire. Et il dit que il est un adorateur du Dieu de l'univers. Et finalement, il se rend compte qu'à cause de sa désobéissance, il menace la vie des autres. Il va lui dire, prenez-moi et jetez-moi par-dessus bord. Parce qu'ils vont poser la question, que devons-nous faire pour que la mer se calme? Il dit, prenez-moi et jetez-moi par-dessus bord. Donc, en quelque sorte, il prend ses responsabilités. Puisque c'est à cause de moi. Souvent, quand nous sommes en difficulté au sein d'une équipe et que nous savons que nous sommes cause d'échec, nous devons pouvoir dire, écoutez, je ne suis pas en forme, je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien. Écoutez, attendez que je me refasse un peu. Et ce qui est important, je veux vous faire ressortir, c'est qu'à travers sa désobéissance, à travers tout ce qu'il a pu causer aux matelots, parce que les matelots, ils ont jeté par-dessus bord toutes leurs affaires, hein, tout ce qu'ils avaient pour aller sur le navire. Voilà ce qu'il dit au verset 3. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Puisque pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous rappelle que quand on a jeté par-dessus bord, l'Éternel fit venir un grand poisson. Ce fut le premier homme qui a voyagé dans ce sous-marin, si vous voulez. Et Dieu, il a pris soin de lui. Et il dit ceci, « Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et il m'a entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans et les courants m'ont encerclé et tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, il avait toujours cette espérance. Je reverrai ton Saint-Temple. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait. Tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Je suis descendu jusqu'au tréfonds. La terre avait déjà tiré derrière moi les verrous. J'aime bien cette formule. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. C'est-à-dire que la terre m'avait déjà considéré comme mort. Et cependant, j'ai crié à l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas une histoire que je vais vous relater, mais c'est pour vous faire comprendre, quelle que soit la situation,
quelles que soient nos difficultés. Pour vous qui êtes en vacances, pour vous qui allez partir, quelles que soient les difficultés, la prière en toutes circonstances, Dieu répond. Dieu répond et nous avons pour preuve tous ces prières, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont, dans des moments de difficulté, dans des moments de joie, comme des moments de peine, ont crié à l'Éternel et l'Éternel a répondu favorablement à leurs prières. Chers amis, pour une bonne compréhension de la prière, voici 6 points importants. Vous savez, quand vous priez l'Éternel, vous devez le connaître. Vous devez connaître celui à qui vous vous adressez. Nous avons des textes qui attestent ce que je viens de vous dire. Psaume 50, le verset 15. Psaume 50, le verset 15. Nous avons encore un second texte. Je vous invite à prendre note, puisque à la maison, vous allez pouvoir le lire. Psaume 50, le verset 15. Connaître l'être supérieur quand vous l'adressez à lui. Et Hébreux 4, le verset 16. Deuxième point. Reconnaître son état. Comme Anne, comme Jonas, reconnaître notre désobéissance, notre difficulté à être et à pouvoir nous adresser à Dieu. Alors, reconnaître son état, encore des textes à l'appui. Psaume 51, verset 5. Psaume 32, le verset 5. Et le psaume 34, le verset 7. En quelque sorte, troisième élément, avoir la foi. Vous savez, toutes ces personnes qui se sont approchées de Jésus ont eu la foi. Cette femme s'est dit, si en touchant son vêtement, je peux être guérie. Elle a cru, elle fut guérie. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvée. Jésus ne va pas lui dire, parce que tu as observé ses commandements, tu es sauvé, mais parce que tu as cru en moi. Chers amis, il suffit de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffit de croire en sa puissance. Quatrième point, il faut exprimer clairement ses besoins. Qu'est-ce que Anne avait besoin? Anne avait besoin d'avoir un enfant. Elle a prié pour cela. Vous avez besoin de quelque chose? Ne vous dispersez pas dans la prière. Faites une fixation sur ce dont vous avez besoin et demandez à l'Éternel de vous permettre d'avoir cela. Si telle est ta volonté, il le fera pour vous. Et si vous voulez un texte pour vous appuyer, cela se trouve dans Philippiens, Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6 et le psaume 102, le verset 18. Cinquième point, nous devons faire preuve d'initiative personnelle. Nous ne devons pas attendre à ce que l'ancien ou la sœur nous dise « Viens faire ceci, viens faire cela. » Nous devons faire comme cette femme. Elle s'est dit « Je vais braver la foule, malgré mon impureté, malgré le cordon de sécurité qui se trouve autour de Jésus. Je vais braver tout cela. Je vais faire preuve d'initiative personnelle. » Comme Anne, elle s'est dit « Je vais me rendre à l'église, je vais me rendre au temple et je vais prier jusqu'à ce que Dieu réponde à ma prière. » Faire preuve d'initiative personnelle, c'est ce que nous devons faire. Matthieu 7, le verset 7 à 8, pour appuyer notre initiative personnelle. Et le dernier point, nous devons nous remettre à Jésus-Christ, s'en remettre à Jésus-Christ. C'est vrai que à travers la prière d'Anne, elle s'est dit, écoute, Élie lui a dit, écoute, si tu sais ce que Dieu dit, tu le ressens au plus profond de toi-même, eh bien, qu'il en soit fait selon la volonté du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a répondu favorablement à la prière d'Anne. Et Anne a eu un enfant qui s'appelle Samuel. Et comme elle avait fait un vœu, elle a consacré cet enfant à l'Éternel. Et si vous voulez avoir vraiment une prière de reconnaissance, prenez donc 1 Samuel 2 et lisez cette prière d'Anne. Comment elle va exprimer sa reconnaissance envers Dieu.
C'est vrai que quand Dieu répond à nos prières, nous devons être reconnaissants et pouvoir lui dire merci Seigneur. Je voudrais quand même partager cela avec vous dans 1 Samuel 2, parce que je trouve que ces paroles sont magnifiques. Alors, Anne prononça cette prière. La joie, quelqu'un qui avait un cœur débordant de douleur, qui était très malheureuse, après avoir prié et que l'Éternel a répondu à sa prière, voilà ce qu'elle dit. La joie remplit mon cœur. C'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé. J'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient, tels que Pénina. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru. Nul ne l'égale. L'Éternel seul est saint. Et à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Pas de rocher semblable à notre Dieu. Et il va continuer, il va remercier l'Éternel pour tout cela. Vous savez, la prière en toutes circonstances nous permet de nous rapprocher plus près de Dieu. Et vous savez, à ce moment, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il était en compagnie de ses disciples. Et quand il priait, son visage s'est transformé. On parle de transfiguration. Et ses disciples qui étaient avec lui furent émerveillés. Et dans Luc 11, je vous invite à prendre ce texte avec moi. Alors, un certain jour, dans un certain lieu, Jésus priait. Et les disciples ont été frappés par cela. Et quand ils se sont trouvés en présence de Jésus, ils leur ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que la prière, en toutes circonstances, a une grande efficacité. Seigneur, apprends-moi à te prier. Seigneur, apprends-nous à te prier en toutes circonstances. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier d'une façon collégiale. L'Éternel, dans Luc 11, à partir du verset 2. Mettons-nous debout. Ce sera notre prière de conclusion. Avec moi, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons à ceux qui nous ont fait des torts. Seigneur, permets que tu puisses nous garder de céder à la tentation. Et permets que, à l'insu de cette méditation, que nous puissions te prier en toutes circonstances, car tu es un Dieu qui répond aux prières. Amen. Ce dont nous avons besoin. Si nous sommes fatigués, alors disons tout à Jésus. Si notre cœur est déchiré et triste, ne faisons qu'une chose alors, disons ce dont nous avons besoin à Jésus. Es-tu lassé le 465? Thank you.
Inclinons la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous savons que tu nous entends. Nous savons, Seigneur, ce que tu attends de nous. Seigneur, tu désires réellement que nous puissions t'ouvrir notre cœur. Nous puissions te dire la vérité. Père éternel, nous te faisons confiance, Seigneur, parce que nous sommes ici. Nous avons entendu ce qui a été dit. Et Seigneur, nous ne voulons pas être absents, Seigneur, de ton rendez-vous, Seigneur. Alors aide-nous à nous exprimer envers toi. Aide-nous à nous reconnaître, Seigneur, à reconnaître nos erreurs, nos fautes. Et nous permettre réellement, Seigneur, de déposer nos fardeaux à tes pieds. Seigneur, si ce matin nous sommes arrivés et chargés, Seigneur, nous ne devons pas partir, Seigneur, en étant chargés. Mais nous devions partir vides, vidés. Parce que tu es celui sur lequel nous pouvons réellement, Seigneur, nous décharger de tous nos problèmes et nos difficultés. Que notre angoisse, que nos difficultés, nos problèmes, que tu puisses réellement, Seigneur, les avoir entre les mains. Et nous nous vider et nous permettre d'axer notre regard uniquement sur le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors Seigneur, renvoie-nous chez nous et permets-nous, Seigneur, d'avoir cette victoire que tu nous as promis. Parce que nous avons la conviction que nous l'avons déjà. Nous te remercions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, toute la vérité. Recevant la bénédiction de l'Éternel. Église d'Évry, que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Allons en paix. Amen.